Bonjour à tous, je profite, je continue pour faire une petite vidéo sur les fonds de teint que j'ai essayés. Alors hier, j'ai testé pour vous un fond de teint qui s'appelle Une. Alors beaucoup d'entre vous doivent connaître cette marque. Moi, je l'ai découverte en allant chez Monoprix. Je l'ai vue aussi chez Douglas. Je ne connaissais pas du tout. Alors la Une, ce sont des produits qui sont bio. Qui sont à base de minéraux. Alors bio, oui, si, si, il y a le logo Écossais. Vous savez, quand c'est bio, il faut qu'il y ait le label en quelque sorte. J'avais déjà essayé les crayons pour les sourcils. Et moi, je les ai adoptés parce que vraiment, je les trouve très, très bien. Ils ne filent pas, ils tiennent bien toute la journée. Ils sont à des prix tout à fait corrects. Hein, vraiment tout à fait corrects. En plus, ils s'usent pas vite, quoi. Donc vraiment, je suis très très contente. J'avais essayé de la marque Une, alors UNE, quelque chose. J'avais essayé les anti-cernes. Alors là, je suis un peu plus hésitante parce que je pense surtout que c'était le coloris qui ne me convenait pas. Donc il faudra que je refasse vraiment un essai. J'avais aussi essayé un rouge à lèvres qui n'avait pas tenu, donc ça je peux le dire aussi, mais bon, il y en a plusieurs qui tiennent pas aussi des rouges à lèvres. Et là j'ai ici le fond de teint qui s'appelle alors Skin Glow, Skin Glow Foundation. Eh bien, je le trouve très très agréable. Je l'ai aujourd'hui sur le visage et je l'ai mis ce matin. Il est 15h30. Je n'ai pas remis de poudre dessus. Bon, évidemment, j'ai une peau mixte et vieillissante, hein, mais je le trouve agréable. Je trouve qu'il s'étale bien et je trouve qu'il a une bonne tenue. C'est de cela que j'avais le plus peur parce que je me disais, bon, des choses minérales comme ça ne va pas bien tenir. Eh bien, c'est faux, hein. Moi, je le sens bien. Mon fond de teint, il est très agréable. Donc, non, non, je suis vraiment, vraiment assez contente de cette marque, vraiment. Donc, si vous avez la possibilité d'essayer un échantillon, parce que moi je tiens vraiment à vous dire d'essayer sur votre peau en échantillon, c'est indispensable. On essaye très très mal en boutique, c'est sous les néons, il y a des lumières partout, souvent les produits sont à la chaleur, donc bon, ça n'a pas vraiment un rendu extraordinaire. Vous devez demander un échantillon. Quand on connaît sa boutique, évidemment, c'est plus facile parce qu'on sait que vous allez acheter, que vous avez une carte. Mais même si vous ne connaissez pas, si quelqu'un vous dit non, 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 on n'en a pas, c'est faux. Parce qu'elles ont aussi des petites boîtes dans lesquelles on peut vous faire une composition un peu de produit. Si les démonstrations sont offertes aux parfumeries, c'est pour justement qu'elles servent et pour faire essayer aux clients. Donc, ne vous contentez pas d'essayer sur votre main. Parce que vous êtes sous les lumières électriques et ce n'est pas évident. Allez plutôt dans ce cas-là dehors ou alors n'hésitez pas à dire je préfère l'essayer. Si vous tombez sur une bonne vendeuse, il n'y aura aucun problème. Elle ne vous en fera pas essayer 10, bien sûr, mais elle vous fera essayer le produit que vous avez envie d'essayer. Voilà, en tout cas, moi ce produit, je le trouve bien. Je sais que vous pouvez avoir des échantillons dans beaucoup, beaucoup de revues aussi. Parfois, il y a des échantillons. Donc, ne le jetez pas. Et essayez-le parce qu'il en vaut la peine. Et maintenant, je voudrais faire un petit clin d'œil avant de partir à mon amie Nati, qui regarde mes vidéos et qui me laisse des commentaires. J'adore ses commentaires sur un parfum qu'elle va reconnaître, qui est de chez Clinique. Allez, bonne journée. Toc toc, un peu pour vous. Au revoir.